Hey, salut à tous la team Chris, je suis trop content de vous retrouver pour un retour de course. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un retour de course sur ma chaîne. Là je me suis dit c'est l'occasion, on s'est dit avec Claudette, on va arrêter de faire les courses au jour le jour parce que ça nous coûte un bras. Et en plus de ça on oublie la moitié, donc du coup on est obligé d'aller chercher un tacos ou un McDo. Donc ça nous coûte 8 euros par jour chacun. Donc comme on n'est pas des richissimes, on s'est dit on va aller à Carrefour. Bref, donc c'est parti, on commence maintenant. Pour commencer, j'ai pris des filets de lieu de la Limande du Nord, façon meunière, fin et savoureux. 2,99€ les deux. Ça, avec Claudia, on adore manger ça avec des haricots ou du riz ou des machins. En tout cas, ce poisson, franchement, il est super bon. J'ai pris, alors ça, c'est plus pour Claudia parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé. C'est quand on était dans notre studio, on aimait bien se faire des petits nuggets en apéritif. Donc, je me suis dit pourquoi pas lui en faire des fois de temps en temps, lui en prendre. Donc, je lui ai pris les beignets de poulet, le gaulois. Bah, pour elle, c'est aussi pour moi, vous doutez bien quand même. Hein. Il y en a 10 dedans, apparemment, environ. Alors, j'espère qu'il y en a pas 9, sinon je fais une lettre. Mais en tout cas, ça a l'air bon. J'ai pris ça, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, toujours dans la viande, j'ai pris des cuisses de poulet avec portions de dos. Alors, un petit peu de dos, tu vois, apparemment. 3,30€ pour 944 grammes, donc ça revient pas trop cher. Il y en a 4 dedans comme ça, de la marque, j'en sais rien. Royal Bernard, volaille gourmande. Ensuite, toujours dans le poulet. Alors là, il n'y a pas de promotion. En plus, moi, j'aime bien regarder les dates courtes quand je vais à Carrefour. Mais là, en date courte, il n'y avait rien en poulet ou autre. Donc, j'ai pris des escalopes de dinde, comme Hello Dice. Ah non, extra fine, pardon. Elle est là, donc je la taquine. 4,11€ les 300 grammes. Ça vaut un bras. De toute façon, j'ai remarqué, je pense que c'est à cause de la Russie ou genre, c'est rien là. Mais quand j'étais au cours, je trouvais tout trop cher. Mais vraiment, tout trop cher, quoi. Hallucinant, quoi. Là, c'est la débandade. Pour ma paradise, ça fait longtemps qu'elle n'en a pas mangé, mais peut-être qu'elle ne mangera pas, on verra bien. Je lui ai pris des raviolis au bœuf, comme ça, de la marque Carrefour. Je sais qu'elle, elle aime trop manger ça quand elle n'a pas le temps, donc lui en est pris. Pour toujours Elodice et Paradise, pour que c'est pas de carbo, des lardons fumés par deux de la marque Carrefour, ça vous savez que c'est son incontournable de la night. Dans le rayon des lardons, j'ai pris du jambon, comme ça, 4 tranches, le pari de Carrefour, c'est le basique, ça on aime bien quand on n'a pas le temps de se faire un petit switch. J'ai pris, alors ça c'est parce qu'en ce moment j'en mange beaucoup chez les gens, alors j'ai dit pourquoi pas en prendre une, comme ça si on n'a pas le temps, on en mange. J'ai pris une pizza aux chèvres lardons, comme ça, c'est tout ce que... Dedans, c'est tout ce qu'aime Paradise, tu vois, elle adore le chèvre, elle adore les lardons. Alors, c'est vraiment la pizza Paradise Paradise. C'est le retour de course Paradise Paradise, quoi. J'ai pris des cordons bleus de dinde, comme ça, format familial, parce que ça fait un bail qu'on en a envie, des fois, de temps en temps, avec Paradise, et on pense plus en acheter, parce qu'on en a acheté une quantité astronomique à l'époque. Mais là, du coup, je suis tombé devant et j'ai dit, bah allez, prends-en cri-cri, il y en a 4 dedans, on verra bien s'ils sont bons, de la marque Carrefour. J'ai pris du pavé ocre, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, délicat et corsé. Alors, j'en avais mangé chez quelqu'un, alors du coup, j'en avais envie. C'est bon, je mange à midi. T'en as mangé ce midi? Ah oui, Elodie a déjà mangé, elle vous fait un retour sur le produit, apparemment, c'est pas dégueu. De la marque Carrefour, comme ça. J'ai pris, parce que là, il y en a presque plus, de la mayonnaise, de la moutarde, de la dijonnaise, œuf de poule élevé en plein air, mon cul, de la marque Carrefour. J'ai pris, pareil que la mayonnaise, bah on s'en sert pour faire la mayonnaise, de la moustarde fine et douce. Celle-ci, c'est l'hôtesse qui me l'a fait découverte il y a... Bah quand on s'est installé ensemble dans son studio là-bas, je la kiffe. C'est vraiment une moutarde que j'adore. Elle est pas trop forte, elle est pas trop dégueu. On aime bien. J'ai pris pour nos camemberts rôtis habituels du camembert onctueux. Alors celui-là, je pense qu'il va être trop top pour faire le camembert rôti. Il va bien couler, il va être bien fondant. Donc on verra bien, de la marque Carrefour. J'ai pris pour nos petites salades, parce qu'en ce moment, on fait des petites salades et là, l'été arrive, donc on va sûrement s'en refaire, n'est-ce pas, ma paradise? Nous, on a fait une pause là, des salades, mais ça reprend tout doucement. Moi, j'en ai encore mangé une ce midi et c'est bien passé. C'est des tomates cerises comme ça, 1€, il y a 250 grammes dedans, je sais qu'elles sont pas dégueu, de la marque Azura. De la salade, vous pouvez constater, parce qu'en fin de compte j'ai fait les courses midi, mais comme j'ai pas eu le temps que je suis au travail, ben je fais le retour de course le soir là. Et du coup, parce que midi j'ai mangé ça, de la mélange gourmande, de la marque Carrefour comme ça. Dedans il y a de la mâche, de la chicorée rouge, de la frisée et de la roquette. Franchement elle est pas dégueu, elle passe très bien, il y a 200 grammes. Dans les fruits et légumes j'ai pris 4 kiwis, il y avait une promotion, c'était 2€ les 4, il y a 59 centimes le kiwi. Pris 6 doigts de banane, là il en manque un parce que j'en ai une au boulot, ça j'en amène tout le temps une au boulot, que ce soit le matin, l'après-midi. Quand j'ai faim à ma pause, je me mange une banane avec un douit de douap, un café et des fois un coca en plus. Moi je vous fais le vrai 4 heures en ce moment, mais je t'avoue j'ai tout le temps faim et je dépense beaucoup d'énergie au travail, donc voilà, il faut des trucs qui sont consistants. Et là du coup j'ai pris des bananes. Pour mon popo d'amour, ça va bientôt l'heure de le manger en plus, je lui ai pris 2 pâtés comme ça, c'était en promotion, il y avait moins 68% sur la deuxième. Je crois que ça faisait 6€ les deux au lieu de 10. Donc j'en ai pris, c'est les friskies en sauce, je sais que ça il aime bien, en plus c'est un popo qui est juste là. C'est pas les meilleurs trucs au monde, je suis d'accord, mais je vous avoue, entre ça, les croquettes et les pâtes, ça me coûte un bras, alors je peux pas mettre non plus des 100 et des 1000 à l'animalerie là-bas.
Ça, c'est un truc que j'adore trop en ce moment. Alors, à Carrefour, ça vaut pas cher. À Jean Casino, ça vaut un bras. Ça vaut 4 euros les 12. C'est incroyable. Les 8, même, je crois. Que là, ça vaut 2,50 euros les 12. C'est les Do-It-Do-Wap comme ça, au chocolat au lait. Moi, je kiffe trop ça. On a acheté à cause de toi. Les Do-It-Do-Wap ? C'est trop bon, les Do-It-Do-Wap. J'ai pris 4 compotes comme ça à la pomme. Alors en ce moment je prends plus le panaché parce que je sais pas si Loda ils en veut. Donc du coup bah je prends ça. Je sais qu'elle aime bien en manger aussi. Donc là j'ai pris par 4 de la marque Carrefour, ça coûte même pas 1€. J'ai pris ça parce que c'était en promotion et quand on avait plus de trucs de bloc WC, bah j'ai pris ça parce que ça sent bon. Alors faut pas croire que c'est ça sent jaille parce qu'il y a que 2 doses dedans. C'est une fois, deux fois et terminé. Alors je vois pas pourquoi ils nous sortent autant de plastique pour 2 doses, ils pourraient en mettre au moins 5-6. Bref, édition limitée, Jasmine Jump. Bref, c'est du jasmin qui saute apparemment. De la marque Canard, je crois que c'était 1,70€ au lieu de 2€ et quelques. Pour ma Paradise, parce qu'elle boit du café à longueur de time. Je l'ai pris du Nescafé du Brésil, comme ça. Ça franchement c'est les moins chers en capsule aluminium et qui est pas dégueu. C'est le Nescafé, c'est à 2,99€, il existe toutes les intensités. Là c'est intensité 8, j'espère que ça lui ira, mais je crois que je l'avais déjà acheté et ça lui avait plu. Ça, alors ça et l'Odile, la dernière fois j'avais acheté un paquet, je suis rentré, je l'ai pas trouvé. Donc je me demande si elle l'a pas embarqué pour l'école. Je me suis dit, ma Paradise, elle a pris le paquet, hein. Bref, les petites Best Fizz. Ça, c'est un truc que Loda, elle kiffe trop, les bonbons comme ça. Ouais. Moi aussi, j'aime bien, mais piocher dedans, elle te dégomme le paquet en 6-2. Hein. J'ai pris de l'huile de l'oliva, vierge extra, extrait de ta froid, 25 centilitres, comme ça, de la marque Carrefour. J'ai pas pris un gros parce que je m'en sers pas tous les jours, mais là, j'en avais plus. Alors, c'est bizarre, il est en train de me faire des trucs bizarres, là. On dirait qu'il y a, je sais pas quoi, une matière visqueuse blanche. J'avais pas le nom. Mais en tout cas, j'ai pris de l'huile d'olive, hein. J'ai pris pour les pâtes carbone ma Paradise et pour tout le reste de la vie de tous les jours, bien entendu. De la crème légère semi-épaisse de la marque Carrefour, comme ça il y en a 3 dedans. J'ai pris de l'eau micellaire Skin Brief, eau micellaire O2 oxygénation, démaquillant tout en un hydratant. Je crois que c'est ça qu'elle aime bien ou à la rose, je sais plus, mais en tout cas je l'ai pris celui-là de la marque Nivea. Pour démaquiller la face à Elodice, bah il faut des cotons, hein. Donc je lui ai pris des cotons par 110 de la marque Carrefour. De la bolognaise, vous savez, alors là franchement ça donne pas très envie, elle est vraiment très très liquide. Mais nous on met des steaks hachés avec pour faire la bolognaise, donc j'ai repris juste une petite sauce de la marque Simply. C'est la moins chère, mais elle fait son job. La Paradise m'avait envoyé un petit SMS, elle avait besoin de déodorant original. La déodorant en spray, parce qu'elle, elle met la bille plus le spray, parce que vous savez que sa phobie, c'est de puer. Donc du coup, je lui ai repris un déodorant comme ça. Pour les gin tones, ma Paradise, décidément, c'était ton retour de course, ma soeur. Hein. Je l'ai pris, bah, Apple All Time by Schweppes, Indian Tonic comme ça, parce qu'elle adore le gin tonic. Alors j'ai oublié d'acheter du gin, mais en tout cas, quand il y aura le gin, il y aura le tonic. J'ai pris, alors normalement il y en a une deuxième je crois, mais elle doit être à quelque part. Deux bouteilles de Coca-Cola comme ça, 1,25 L, vous savez que ça c'est ma drogue. Puis également dans la voiture que j'ai pas remonté parce que j'avais un petit peu les bras chargés, il y a 6 litres de lait et 6 bouteilles de cristalline en 1 litre. J'ai pris pour ma Paradise, ça fait longtemps que l'on n'a pas bu, je sais pas si elle en voulait, mais je me suis dit pourquoi pas. De l'Oasis Pop Cassis Framboise comme ça en 1 litre. J'ai pris des tagliatelles comme ça, panzani, ça on a, j'adore ces pâtes là pour faire les pâtes carbo ou mes préparations, machin. Moi j'aime bien celles-ci donc je les ai prises. Toujours dans les pâtes, j'ai pris des coquillages, chaque Elodie et chaque Alador. J'ai pris pour Elodice, du Tropicana, pomme pressée, piclaraji, pur jus. Alors là on n'a pas mis au prix de la Golden, hein, c'est piclaraji. Et j'ai pris pour les gens et les invités ou pour moi-même, du Green Tea, saveur agrume de la marque Lipton. Surgelé, j'ai pris des choux-fleurs en fleurette pré-cuit vapeur, prêt en 3 minutes. Ça, vous savez que j'adore les prendre, je les aime trop. En fait, la technique, c'est que vous les mettez 3 minutes dans l'eau et après vous en faites ce que vous voulez. C'est juste qu'il faut les décongeler, mais ils sont déjà pré-cuits. Et j'ai pris dans la même gamme les brocolis, comme ça, prêts en 4 minutes. Pareil, je les plonge dans l'eau pendant 3-4 minutes et après je les fais à la poêle avec mes wok ou mes préparations. Ça, j'aime bien dedans. Il y a 675 grammes et ça coûte vraiment rien. Pour finir, j'ai pris du classique façon Beauchère. Vous savez qu'on prend toujours cela en steak haché. Ça coûte 5 euros les 4 et franchement, ils sont très très bons. Donc voilà, j'en ai repris un bac. Voilà, c'est tout pour ce retour de course. J'en ai eu pour 90 euros. Je trouve qu'on a été assez raisonnable. Il nous restait encore des choses à la maison. Donc voilà, on a fait des petites courses pour une semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour me donner vos retours. Moi, je suis trop content d'avoir repris un peu les vidéos comme ça, face caméra. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.